Parfait. Salut, Amazing Woman. Ouais. En parlant de pull, hier Eric m'a dit, viens, on va faire un tour à Leclerc pour le Black Friday. C'est la folie, il y a plein de trucs. Et je suis tombée sur un pull de Noël. Vous savez que j'en cherchais un. Je ne l'ai pas essayé. Mais ce matin, je l'ai regardé un peu de plus près et je n'avais pas vu, il y a genre des électrodes et tout, ça clignote. Donc ça, je ne suis pas trop fan. Je vais l'essayer tout à l'heure en rentrant. Je vous explique pourquoi. Et de toute façon, je le ramènerai si jamais il ne me plaît pas. Parce que j'ai commencé les décos Noël, notamment mon sapin hier soir. J'ai pas blindé de trucs, j'ai plein de décos que j'ai pas utilisé parce qu'il y a des codes couleurs. Enfin, il faut que ce soit harmonieux. Mais ce que je veux, c'est décorer le reste de ma maison. Pas tout, mais notamment mon escalier, genre de choses. Et je veux aller chez Action. Je suis persuadée que là-bas, je peux trouver mon bonheur, comme on dit. Voilà mon pull de Noël. 16,90€. 16,95€. Et en fait, regardez. Vous voyez? Ça fait ça. Bon, ça fait très pull de Noël, tu me diras. Mais bon, là, je viens de le mettre comme ça. Au retour, de toute façon, il faut que je l'essaie, hein, évidemment. Il est mignon, hein, quand même. Mais je sais pas. Je sais pas s'il va m'aller. Est-ce que t'aimes bien la nouvelle déco de maman? Mais c'est pas fini, tu vas voir. Il y a des trucs encore plus jolis qui arrivent. Tu vas pouvoir t'amuser, manger les trucs, abîmer, faire tomber le sapin. Comme tous les ans, en fait. Hmm? Mais c'est pour ça que je t'aime aussi. Écoutez. Non, ça ronronne, hein. Qu'est-ce qu'il a, mon Zaki? J'ai changé du coup le grand lampadaire parce qu'il prenait de la place pour pouvoir mettre le sapin. Je l'ai mis là. Ça fait une de ces ambiances hyper chouettes. Donc j'ai plein de trucs à vous montrer finalement en rentrant. Oh le truc, je suis obligée de m'arrêter. J'ai une gêne dans l'œil. J'ai dû avoir une peluche ou j'en sais rien. Quand tu conduis, c'est pas cool. Oh putain, je m'en suis foutue partout. Super. Bon, bah, je vous laisse, hein. Faut que je répare mes conneries. J'ai trouvé des trucs sympas, hein. Beaucoup pour décorer la maison, comme je vous disais. Je pense que je vous montrerai en rentrant, ou alors je ferai un... Ah, je sais pas. Bon, c'est en fonction de ce que j'aurai vraiment. J'ai beaucoup hésité à le prendre, mais bon. Parce que je me suis dit, ça peut aller même bah, toute l'année, mais c'est un peu grossier quand même. Et ouais, non, c'est trop ma stock. Mais vous voyez, ce mandin et tout, avec les bougies, j'ai essayé avec des bougies LED, ça rendait pas mal. Je viens de rentrer. Et je vais m'empresser d'aller manger. Je ne tiens plus debout. Ça m'a pris d'un coup chez Action. Enfin, ah si, d'abord il faut que j'essaie le pull, sinon je vais jamais le faire. Donc, je suis pas complètement séduite. Par contre, il est très très doux. On voit pas les trucs là qui s'affichent. Je pense pas. Non. Je pense pas le garder en fait. Bon, c'est pas grave, hein. Je ramènerai. Et il y a toujours des trucs à prendre, hein, en avoir chez Leclerc. Ce midi, ça va être vite vu, très très vite vu. Je vais me faire, bah, j'ai fait du riz. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'adore, enfin, je mange beaucoup de riz. Changement de look pour tourner mon haul. Ça va être vraiment en toute simplicité. Je vais rester ici, ça va être très très bien. Je me dépêche, le temps tourne. On se met ça quand même. Ça va être chiant, il va y avoir des variations, je sens, de lumière. Vidéo, elle est en train d'uploader. J'ai fini les miniatures, bref, je me suis changée, hein, au passage parce que je supporte pas ce genre de truc là qui te colle, ça gratte, c'est oppressant. Je suis tellement plus à l'aise comme ça avec un petit pull. Donc on va passer aux choses sérieuses, ce qui veut dire que je vais vous montrer la déco et bah, je vais faire des petites décos en plus, ce qui me manquait. Par contre, concernant cette déco là que j'ai eu chez Action, j'arrive pas du tout à la dénouer, c'est le bordel, parce qu'en fait dedans on a les fils LED, ce que je voulais commencer à voir sur mon escalier. Grosse galère, je vais le descendre, ça va être peut-être plus simple. Vous savez, là je vais essayer de mettre ça tout du long. Je comprends pas ce qu'ils ont foutu, hein, chez Action. Et le gars il me suit, non mais ah, attendez, je vais vous montrer après. Je cache pour pas que vous voyez. Alors, je me suis posée là, ça commence à être sombre, pour installer ça. La nappe, ça va pas aller du tout, hein. Soit je l'enlève, soit je mets un truc plus ambiance Noël, parce que ça va pas. Ça, je vais le mettre dans le sapin, que je vous montre juste après. Je vais ouvrir, ça fait partie de ce que j'ai acheté, hein, chez Action.
Voilà, je préfère complètement la table brute comme ça, quitte à remettre ça plus tard. Ce petit chemin de table, je valide. Hein. Il y en a plein d'autres hein, si ça vous intéresse. Me voyez-vous? Je crois que j'ai réussi. Alors, c'était galère. Fallait choper ce petit bout. Donc, je vais la déployer complètement et voir ce qu'on peut faire. Il y a Jack alors qui s'approchait dangereusement du truc. Mais bon, je crois que ça va, il va pas le manger. Je vais aller faire tester l'entourage sur l'escalier. Et après, je vous montrerai vraiment tout. Et l'entrée, et le sapin, et les petites décos. J'ai mis bah ça, ben non, j'avais déjà mis. Hein. Petite suspension avec des clochettes. Ceci, pour donner un petit côté encore plus chaleureux à la pièce. Je crois qu'on va le laisser là. Enfin, avec Eric, on s'est dit que ça rendait tellement bien qu'on allait le laisser là. La guirlande, tout du long. Alors j'avoue que ça rend beaucoup beaucoup mieux en vrai. Donc on a l'entrée, la guirlande ici. Voilà le luminaire. Ensuite, ici, bon ça c'est le pull que je vais ramener. Une guirlande, celle-ci je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Jiffy. Vous voyez, elle a trouvé sa place. Tous les éléments du coup, eh bien ils sont mis en avant. Ça fait également une petite ambiance le soir, hyper chaleureuse. Je me munis de ça, regardez. Hop, attention. C'est cool, hein? Sur ma table basse, j'ai mis ça au lieu d'une vraie bougie. Pareil. Et mon sapin, comme ceci, qui est beaucoup plus dans les tons bah, chauds, orangés, jaunes, rosés. C'est pour ça que toutes mes décorations qui sont rouges, 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 bah, j'ai pas pu les utiliser. Je sais que je vais demander à maman si elle, demain elle va peut-être passer. Qu'elle fasse un petit peu son choix si elle en veut. Il y a quelques éléments du calendrier de l'Avent qui ont été mis dedans, notamment celle-ci. La petite étoile, on a des suspensions, la boule là, celle-ci, vous n'allez peut-être pas voir. Ça, c'était une guirlande que j'avais depuis un moment qui était dans mon bureau. Regardez. Dans les photos forts, des petites LED. C'est vachement pratique en fait, hein. Hop. Voilà. Même de là, ça fait bien. Bon, eh bien, vous savez ce qu'il me reste à faire. Le calendrier de l'Avent. Je vais monter dans mon bureau et puis je vais faire tout ça. Oh, j'aime beaucoup. C'est assez léger, hein, c'est soft au niveau des couleurs, mais ce sapin est tout mimi. Alors, c'est sûr qu'il est tout petit, hein, mais peut-être que les prochaines années, j'en ferai un plus grand. On verra. Allez, go. Eric qui râle. Parce que c'est trop tôt. Bah, on est le 30 demain. Sinon, je ne vais pas vous montrer, hein, puisque toujours, je vais garder la surprise. Le calendrier de l'Avent, je vous prendrai tout à l'heure. Je te vois mal, tu vois? Ben voilà, là, c'est net. Stop, s'il te plaît. Je veux bien que tu restes avec moi, mais c'est pas pour pleurer. Ok? Il y a une certaine cohérence hein, dans mon choix de papier. Hein. Alors, j'étais tranquille en train de faire mon calendrier de l'Avent. Il est 17h19, quand tout à coup, Eric me dit... Ça te dit qu'on allait chercher un petit goûter? Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, on y va. Ça m'éclate ce truc. Attention. Ouais. On allume. Bon, c'est pas tout synchro, mais c'est pas mal. Tu prends quoi? Tu prends quoi, Olivier? C'est là, là? C'est rare hein, que t'attendes sagement. Parce que surtout qu'il n'a pas eu à manger. Non, ça c'est pas pour toi. Tu sais que je voulais rien prendre et quand j'ai vu ça, c'est nouveau hein, leur truc. Jamais vu. Ils appellent ça comment? Brioche choco. Le tradit feuilleté, ça a l'air trop bon. Non, mais je ne vais pas le manger maintenant. Ah ben non, je ne vais pas le manger maintenant. Je peux le garder pour tout à l'heure. Je change mon programme. J'étais en train de finaliser mon calendrier. Je me suis rendu compte qu'il me manquait une petite chose. Je vais aller au clair parce que comme il faut que je l'offre demain. Je suis à l'espace culture, regardez le mignon Marie. Les petites tasses, non, faut que j'arrête, mais c'est super mignon. Oh, oh la préparation, c'est énorme. Je crois que ça va. Hein, il y a ce qu'il faut en matière d'idées cadeaux. Choupinou. J'ai fait un petit détour à venir pour soi, ils ont mis un. C'est joli. C'est ça que je rêve d'avoir à la maison. Oh, pour se maquiller, c'est top. Oh, je suis rentrée, il y en a encore partout. Il est 19h39. Bon, et ben il m'en aura pris du temps, ce calendrier de l'Avent, j'ai terminé. Ça c'est cool, c'est une bonne chose de faite. 20h45, j'ai dit à Eric de ne pas m'attendre, il a déjà mangé.
J'ai la télécommande parce que ça m'éclate ce truc. Vous avez vu? Là aussi j'en ai deux et là j'en ai une. Ça c'est top. Donc ce calendrier, je vais pouvoir l'offrir demain. Parce que bah, demain on est le 30. Vlogmas c'est après. Bah non, Vlogmas c'est demain. Pour vous en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc tout ce qui est dedans. Ce qui est cool, c'est que vous puissiez voir. Donc je ferai des images ou alors je filmerai, je vous montrerai, je trouverai de toute façon une solution pour vous montrer parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc bah écoutez, merci à vous en tout cas de m'avoir regardé jusque là. Je vais clôturer, je vais manger et je vais me poser. J'aime bien parce que vu comme ça, ah oui, en parlant de pull, putain c'était cousu ce que je dis. Je voulais dire que ce pull, vu comme ça, il paraît pas bien, mais en fait, il me va plutôt pas mal. Quant au pull, Eric m'a dit « Non, il est sympa, garde-le. » Et je me suis dit « Bon, je sais pas, je vais peut-être l'échanger, mais je trouve plus le ticket. » Je l'avais mis là, le ticket. Je ne me trouve plus. Bon. Oui, donc sur ce, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à demain pour le début des Vlogmas. Même si celui-là, c'était déjà un peu un Vlogmas. Salut!